OBD de trouble code description technique, communication perdue avec un ordinateur personnel, qu'est-ce que ça veut dire il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDI. Ce code signifie que l'ordinateur personnel PC et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, l'ordinateur personnel est généralement situé à côté du tableau de bord, généralement dans un support de montage au choix du client, il reçoit des entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, la plupart sont envoyés via le système de communication par bus, ces entrées permettent au module de contrôler les informations affichées et lues sur le PC, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Communication, gravité du code et symptômes. Dans ce cas, la gravité n'est jamais grave, car il s'agit d'un appareil de confort client. Le fonctionnement du véhicule n'est en aucun cas affecté par le manque de fonctionnement du PC. Les symptômes d'un code U0192 peuvent inclure PC ne fournissant aucune information, aucun son, écran éventuellement vierge. Le PC ne s'allume pas, ne fonctionne pas. Les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes ouvert dans le buscan plus ou circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du bus CAN, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module PC, rarement module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation, un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique BST pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Tout d'abord, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié à la communication par bus ou à la batterie, allumage, diagnostiquez-le d'abord, un diagnostic erroné peut se produire si vous diagnostiquez le code U0192 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté, si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous obtenez à partir d'autres modules est le U0192, essayez d'accéder à l'ordinateur personnel PC, si vous pouvez accéder au code à partir du PC, alors le code U0192 est soit intermittent soit un code mémoire, en cas d'impossibilité d'accéder au PC, le code U0192 92 Que les autres modules définissent est actif et le problème est là maintenant. La panne la plus courante est une panne de circuit qui provoque une perte d'alimentation ou de mise à la terre de l'ordinateur personnel. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module PC de ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du PC. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les. Procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude. Eau et nettoyez chaque le connecteur est l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, effacez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0192 revient ou si vous pouvez communiquer avec le module PC. Si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, localisez les connexions de communication du buscan sur votre véhicule, surtout le connecteur PC qui est généralement situé à côté du tableau de bord, généralement dans un support de montage au choix du. Client, débrancher le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module PC. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. séparer les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquer de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact. Avant de reconnecter les connecteurs au PC, effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique, DVOM. Vérifiez que le PC est alimenté et mis à la terre. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les principales alimentations et masses entrent dans le PC. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le PC étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B, tension de la batterie, entrant dans le connecteur PC et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la Terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours. Vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+ et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez le circuit CAN B+ ou MSCAN+ et CAN. B ou MSCAN avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre. Connectez le fil rouge à Can B, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 05 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit can B. Vous devriez voir environ 44 volts et fluctuer légèrement. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0192, la seule chose qui reste à faire est de demander la d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un PC défaillant, la plupart de ces PC doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.